Depuis 2 ans que nous sommes élus, nous nous sentions un peu frustrés de n'avoir pu organiser une grande fête populaire due à la pandémie, au confinement, aux restrictions. Les circonstances s'y prêtaient, nous avons décidé de faire 3 grands jours de fête à Aury-la-Ville. Nous avons décidé d'appeler ça la fête des moissons afin de rappeler à tout le monde que nous sommes un village rural, à la campagne, que nous avons beaucoup de chance d'avoir la forêt autour de nous, d'avoir des champs et d'avoir quand même de l'activité. Yo no sé cuántas noches me he engañado, cuántos trenes han pasado, cuántas letras te escribí. Ahora va, garzón. Yo no sé qué pecado he cometido, porque de puras me olvido cuando me acuerdo. ¡No hay problema! Mira que yo no he cansado de mirarte, que a mí no para otra parte si me vienes a tocar. Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. C'est vous les champions, hein. C'est pas sûr. Je les essais là. À mort. Je vous entends, je vous entends pas. Ouais, je suis Sylvie, présidente du comité des fêtes depuis 7 années, et c'est un plaisir de soutenir la mairie, tous les événements qui peuvent s'y passer, et on a fondé une équipe, une bonne et sympathique équipe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fête de la patate, donc il y a des jeux,
gratuit pour les enfants. Et ce soir, la patate est offerte par la mairie. Et le comité des fêtes est là pour aider, pour épauler. Très satisfait du bilan. Les Origeois étaient au rendez-vous. Vendredi soir, c'est environ 500 personnes que nous avions sur la place. L'ambiance a été excellente, tout le monde s'est bien amusé, y compris les enfants, les adultes et les autres. Tout le monde a été très content. Samedi, la chaleur était étouffante, mais les Origeois étaient encore une fois au rendez-vous. Tout le monde a profité de cette journée de la patate. Et dimanche, la fête musicale a été un grand succès également. La promenade a été magnifique et les concerts ont connu un grand succès culturel et très agréable à écouter.